Alors les enfants, maintenant on va réfléchir ensemble, et vous allez réfléchir, à toutes les actions qui sont bonnes pour la santé. Mmh. Alors, les consignes du jeu. Vous vous mettez par groupe de 5, plutôt vous mettez en 5 groupes, ce sera mieux, et puis après à partir de là, eh bien, vous prenez une ardoise, et sur cette ardoise avec un feutre, vous dites toutes les actions qui sont bonnes pour votre santé, les actions auxquelles vous pensez comme ça spontanément. On en a déjà un tout petit peu vu avant, mais donc là vous allez réfléchir encore plus. À vous de jouer. Alors, vos grandes idées, on va les prendre par groupe. Hein. Ouais. À ton avis, toi Benoît, c'est quoi tes idées? Bah, moi, tout de suite, boire de l'eau. Voilà. Okay. Boire de l'eau. Voilà. Super. Alors vous verrez, je les classe un petit peu en catégories, puis après ça sera à vous de trouver les différentes catégories. Donc boire de l'eau. Ensuite. Voilà. Ensuite, manger beaucoup de végétaux. Super. Très bien. D'autres choses sur... après, si on pourra trouver d'autres choses encore sur, sur l'alimentation, ça c'était du coup... Après, ben, penser à son hygiène. Alors, une fois qu'on a mangé, bu, bien surtout mangé, on va se brosser les quenottes. Dents. Et voilà, les dents. Super. Ouais. Et puis, tant qu'à faire... On se brosse les dents et puis on se brosse le corps, comme on disait tout à l'heure, les parties qui sentent un peu mauvais. Et puis, voilà. Donc, on se lave le corps. On peut se laver le corps, alors régulièrement, pas forcément, hein. Tous les jours, les parties qui sentent mauvais, on peut les laver avec du savon, puis sinon, juste à l'eau. Se brosser, se laver les mains. Enlever la peau qui protège. Voilà. Après, ben, se laver les mains. Hein. Se laver les mains. Il faut se laver. Je fais une belle chanson sur ça au moment où vous vous en souvenez, où il y avait le Covid. Il fallait se laver les mains très souvent, bien voilà, ça fait partie de l'hygiène. Il faut aussi dormir. Dormir, faire la sieste, c'est pas que pour les petits. Non, c'est aussi pour les grands et les grandes. Eh bien, pour rester en bonne santé, il faut une activité physique tous les jours, quotidienne. 30 minutes, c'est bien. Et si on en fait plus, c'est encore mieux. On recommande souvent une heure. On recommande souvent une heure. Mais quand vous jouez dans la récré, ça compte aussi pour l'activité physique. Activité physique, bouger. Ensuite, il faudrait jouer au parc. Jouer au parc, prendre l'air. On peut aller, ça fait du bien. Si on a la chance d'avoir un parc à côté de chez soi, ou encore mieux, un parc carrément chez soi, eh bien, alors là, c'est forcément formidable. Et que les parcs? Les parcs, mais on peut laisser en forêt. Voilà, si on a une forêt tout près de chez soi. Voilà. Le contact avec la nature, ça nous fait du bien à nous. Ah. Alors après, pour rester aussi en bonne santé, eh bien, il est conseillé de faire attention aux autres, de voir... d'autres personnes, de les aider, aider une grande personne, une vieille personne, un copain, une copine. Un voisin âgé, les grands-parents, trop bien. Et moi, ce que j'adore faire aussi pour rester en bonne santé, c'est mettre les mains dans la terre. Et ça fait vraiment bon pour la santé aussi. C'est très très bon, carrément. Mettre les mains dans la terre, être au contact de la nature, faire pousser des légumes ou des petites fleurs, voilà. Pour aussi respecter préserver tout ce qui vit. Oui, une action qu'on aime bien faire aussi. Se protéger le vivant, voilà, respecter le vivant. Et d'ailleurs, de ce fait-là, on peut ramasser des déchets aussi dans la nature. Ouais. Ça, souvent, vous le dites, hop, ça fait partie de la santé globale. Ça rend le paysage plus joli. Voilà. Et ça nous fait faire de l'activité physique. Ce qui est bon pour notre... santé. Voilà. Alors, là, je les ai mis en grande catégorie. On en avait un tout petit peu parlé au début. Alors, est-ce que tu saurais me dire, par exemple, ici, ça serait quoi la grande catégorie? Boire, manger? Alors, est-ce que ce serait pas tout simplement se nourrir? Se nourrir, voilà. On peut avoir la première catégorie, la base, se nourrir. Après, tout ce qui était en noir, c'était tout ce qui concernait... L'hygiène. L'hygiène. Voilà. L'hygiène de vie, voilà. L'hygiène très bien. Et donc ça, c'est un peu la base, d'accord? Se nourrir, son hygiène de vie, d'accord? Quand on va un peu au-dessus, quand on augmente un petit peu dans la dimension de la santé, ici, ça pourrait être quoi? Activité physique, les balades en forêt, prendre soin de soi. Voilà. Prendre soin de soi, voilà. On fait des activités, voilà, qui sont bonnes pour nous. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on est, du coup, se nourrir, l'hygiène, prendre soin de soi, on peut aller... Prendre soin des...
les autres. Les uns et les autres. Super. Voilà. Super. Et prendre soin des autres. Dernière catégorie, le vert. Eh bien, prendre soin de la nature, de tout ce qui nous entoure. Et voilà, du vivant. Vivant. Voilà. Prendre soin du vivant. Donc, c'est tout ça. Les 5 dimensions de la santé. D'accord ? Donc, ça, c'est tout ce que vous avez trouvé. Alors, il y en a encore. Donc, on va essayer de faire des petites devinettes pour trouver les dernières petites actions qui sont bonnes pour la santé. Trop bien. Alors, maintenant, on va découvrir d'autres idées pour prendre soin de sa santé. Alors, dans la catégorie se nourrir, ouais. Quelque chose qu'on fait dans une pièce spécifique de la maison, ouais. Et du coup, on fait soi-même, on fait ça avec des couteaux. Ah oui, apprendre à cuisiner, ou en cuisine. Faire la cuisine. Bien. Très bien. Cuisiner. Et bien, c'est bon aussi pour la santé, parce que ça veut dire qu'on peut faire soi-même. Du coup, on met moins de sel, on connaît les ingrédients qu'on a mis dedans. Voilà, c'est pas ultra transcendant. Tout à fait. Voilà. Alors là maintenant, on a parlé des végétaux, mais des petits végétaux qui peuvent vous, que vous pouvez manger au goûter, qui sont pleins de bonne énergie, qui viennent de d'arbres souvent. Ce sont des fruits, des arbres. Ah. Des coques. Ouais. Des fruits à coque. Des fruits à coque. Ça, du coup. Alors, on a les amandes, les noisettes, les noix. Des fruits secs. Tout ça. Super. Des fruits à coque. Ça, ça peut servir. C'est un super. C'était pour le côté coque. Voilà. Encore, tu fais bien le coque. Bien le coque. Voilà. Alors, il y a plein d'autres choses pour la santé, mais on vous a mis les choses positives sur la santé. Alors, ensuite, pour l'hygiène. Un mode de déplacement pour aller à l'école, par exemple, qui fait un peu d'activité physique. Moi, j'adore ça. Alors, évidemment, en plus, pas loin de chez moi, il y a des pistes qui sont réservées pour ce type de véhicule. C'est le vélo, faire du vélo. Voilà, aller à l'école. Alors, il y a le vélo. On peut aussi y aller à pied. On va à l'école, on peut aller à l'école en mobilité active. Voilà. Bon, pour l'activité physique. Quelque chose, alors quand tu es dans ta chambre, le matin, tu t'es levé, qu'est-ce que tu fais après d'aller au petit déjeuner par exemple si j'aère ma chambre. Super, enfin, il faut savoir. J'ouvre les fenêtres de ma chambre et je prends un grand bol d'air pur, je le respire comme ça. Et ça sent très très bon, j'ai la chance d'habiter pas loin d'un endroit où il y a plein d'arbres. Alors ensuite, dans les activités pour prendre soin de soi, quand on dit bah, tiens, je fais rien. Ah oui, s'ennuyer. S'ennuyer, exactement. J'adore m'ennuyer. Se laisser du temps pour s'ennuyer, ça fait du bien. Et juste souvent après, j'ai une idée qui arrive. Et en parlant d'idées, du coup, faire des choses qui sont manuelles, des choses créatives, sans écran. Voilà. Faire des activités sans écran. Tous les jours, ça fait du bien. Super. On utilise son cerveau. J'ai fait des petites maquettes. J'adore faire des petites maquettes. Trop bien. Alors, dans la catégorie prendre soin des autres, imaginons, tu es dans la rue et il y a quelqu'un qui a du mal à porter ses courses. Qu'est-ce que tu peux faire? On va tout de suite l'aider. On dit madame, monsieur, puis-je vous aider? Proposer son aide naturellement. Proposer son aide à quelqu'un. Et puis alors dans la maison, il y a plein de choses à faire, mettre la table, mettre le couvert, charger la vaisselle, tout ça, qu'est-ce que ça peut être ça Aider la ménage, on peut faire la vaisselle, par exemple, voilà. Faire la vaisselle, aider aux tâches de la maison. Ne partez pas de la table les mains vides, on m'a toujours dit ça, donc voilà, il faut les mettre, et si on ne fait pas la vaisselle, on met dans la vaisselle, voilà. Alors maintenant, dernière catégorie, prendre soin du vivant. Alors on avait vu, planter des arbres, s'occuper de la nature, ramasser les déchets. Quelque chose aussi, une ressource très précieuse, on la boit tous les jours. D'accord, de l'eau. Voilà, alors qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on l'économise. En tout cas, on ne la gaspille pas. Parce que du coup, après... On ne laisse pas coller le robinet. Pas beau de gaspiller l'eau du robinet. Et alors, un dernier qui est un petit peu plus compliqué, mais du coup, manger une certaine catégorie de fruits et légumes avec des méthodes... Ils ont été cultivés selon des méthodes qui protègent la biodiversité. Ah oui.
Si tu perds la culture. Donc c'est la permaculture. Alors ça peut être en permaculture. Oui, pas que si. Ou de façon qui est un peu plus globale, un peu plus couramment répandue. Voilà. Ça peut être aussi manger des fruits et des légumes bio. Parce que ils ont été cultivés selon des méthodes qui protègent le vivant. Alors, pour récapituler les 5 dimensions de la santé, Benoît, la première. Eh bien, l'alimentation, se nourrir. Ici, l'hygiène. Toutes les actions qui concernent l'hygiène. Troisième, prendre soin de soi. Quatrième, prendre soin des autres. Super. Et 5, prendre soin du vivant. Génial. Et bien, du coup, vous pourrez faire toutes ces actions pendant le défi. Voilà. À tout à l'heure.